Salut tout le monde, vous avez peut-être reconnu, mais aujourd'hui on va faire un vlog à Crête des Soleils. Et c'est parti pour les courses, parce que c'est un vlog et on va faire beaucoup de courses. Bon, par contre on a un budget de 150€ avec les fournitures scolaires, McDo, Primark et plein d'autres choses. C'est parti. On est arrivé à Crête des Soleils, regardez. On est arrivé à Carrefour et on va prendre toutes les fournitures scolaires parce que on en a plein pour la 6ème. Parce que je rentre en 6ème, donc je rentre au collège et il y a énormément de fournitures. Mais là, je me demande si c'est plus rentable de s'acheter une maison que des fournitures. Ouais, bien sûr, une maison, hein, en vrai. Hein. Ah oui, les ouvertures, c'est de 10h30 à 20h, c'est de 10h à 20h. C'est à qui ce panier? Avant de vous faire une visite en peu de Crête des Soleils, regardez le rayon téléphone. On a des Vivo, des Vico, des Xiaomi, des Oppo, des iPhones et des Samsung. Il est où le 13 mini? Ah non, il y a que des Pro. Non, parce qu'on voit le 13 mini. Bon, allez, je vous fais une petite visite de Crête des Soleils. N'oublie pas de t'abonner avant que je fasse la visite, sinon je ne la fais pas. Ah merci, je suis abonné. Bon, je me suis trompé, c'est pas Crête des Soleils s'il vous plaît, mais juste du Carrefour. Bah, ce rayon est bien mieux intéressant. Hein. J'ai pas de console, mais bon. Qui lit des livres de Mando? Levez la main dans les commentaires. Il y a personne. Voilà. Personne. C'est bon ça. On est au rayon jeu, je crois. Bah, attends, on va voir. Livres, presse et jeux vidéo. Alors quand même, c'est pas facile d'accès à Crête des Soleils. Faut prendre le RER A, le RER D. Qui est le pire, bon ça va, c'est de Gare de Lyon jusqu'à Maisons-Alfort. Puis il faut prendre le métro 8 jusqu'à Créteil-les-Chats. Parce que oui, ça ne dessert pas Créteil-Soleil directement. De toute façon, Créteil-Soleil, c'est pas une station de métro, c'est un centre commercial, hein. C'est pas une ville, Soleil. Mais là, c'est pas possible, on paye 13,55€ le distributeur à savon Inoxtag pour qu'il n'y a pas Inoxtag et pour qu'il n'y a pas de savon. Inoxtag, 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 Inoxtag. 500 feuilles depuis quand ça existe? Je croyais que c'était. Ouais, c'est pas privé moi. De toute façon, tu vas en avoir pour pas trop là. Ouais. Non, je savais pas que ça existait 500 feuilles. Carrefour en roue libre. Depuis quand c'est 3,35€ la feuille à unité? Bravo, ça coûte 200€ la feuille. Acheter un porte-vue. Bon, là, on commence les fournitures scolaires. Montre la liste. Elle est là, attends. Il y a deux pages. Hein. Ah bon? Bah, de l'autre côté. Ah oui. C'est recto verso en fait. Je viens d'apprendre que c'est par matière. Ouais, ouais. Non, mais on va prendre la couleur préférée, le rouge. Enfin, c'est pas vraiment du rouge. C'est rose, Ivan. Bah, je trouve trop les couleurs vives, j'aime bien. Ouais, je crois avoir trouvé. Ah oui, oui, le bleu. Justement, je cherche un bleu. Toutes les couleurs comme ça, j'aime bien. Voilà. Alors, vu 20 centimes, j'ai vraiment fouillé ici. Non, mais. Moi-même un centime, je fouille. Et pour toutes les personnes qui. On est ensemble, hein, toutes les personnes qui ont la même galère. Les courses de fournitures scolaires, pour un 6ème, c'est vraiment énorme. Ah oh oui, 140 pages. Wow, c'est énorme. Ça, c'est quoi ça? 48 x 24 Non, 48. Bon, là, on essaie de chercher. Oh, je... Ah non. 48 pages. Vous avez combien? 48 pages. Oh, tu fais du courant d'air de faire ça. Bon, j'ai jamais chaud. Même à 40 degrés, j'ai pas chaud. Par contre, vraiment, bonne chance pour la canicule. Et à Montpellier. Comment ça, on dépense 40 centimes de plus
pour 4 pages de plus. Non mais c'est l'arnaque. Non mais Carrefour vous arnaquez les gens en fait. Enfin on a ça. Violet. Non, non pas violet. Non, ça fait plus pour les filles roses. Ouais, et alors, du rouge, regarde. T'as bien le rouge? Ouais. Par contre la caméra on dirait du orange à la caméra. Alors. Ça on dirait plus du jaune mignon. Les mignons. Par contre, il y a vraiment un gros scandale sur les mignons 2. Hein. Parlons de mignons. Et ben, je vais mettre une photo de profil de mignon plus. Alors, bien sûr que je vais prendre le bleu, hein, parce que franchement c'est trop beau. C'est l'une de mes couleurs préférées. C'est ça. Ma couleur préférée. Mais c'est après, le rouge. Je sais pas, parce que. Non. Ouais, voilà. Ça c'est le rouge. Bon, je vais prendre. Ah, attends. Bon, je vais prendre jaune parce que. Attends. Bon, je vais prendre jaune parce qu'il n'y a pas bleu. En fait, bleu, attends, on explique, c'était 4 ans 16 pages. Les courses pour les fournitures scolaires, elles sont plus longues que Créteil-Soleil lui-même. Après les maisons, on organise des barbecues. Un Carrefour! Oui! Et bon, il nous faut de la gouache, c'est un peu bizarre. Bon, après, c'est l'air plastique. Mais d'accord, là, on dirait que je suis dans un jardin. Alors, je suis toujours à Carrefour! Si je taille un crayon, est-ce que je suis pour ou contre la déforestation? Je sais pas. Regardez ce que je viens de trouver. Ah. Regardez ce que je viens de trouver. L'agenda des Chloé. Bien sûr, c'est de l'humour. Dans la vie, il y a Buzz l'éclair et comme moi, Buzz Leclerc. T'aimes bien, il y a du charbon de bois. Parfait pour le barbecue de tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, c'était. Il y a une heure. Ah, donc c'est ça le barbecue? Oh, ça va, 70 euros, c'est pas cher. Personne. Y a personne, ça va. Regardez, au lieu d'aller à la salle de sport, aller à Carrefour, de gratter soleil, et regardez. Là, vous pouvez faire du sport. Bravo, vous avez économisé 250 euros. Bon, là, c'est les courses. On va finir de payer. Enfin, on a fini les courses. Bon, bien évidemment, c'est pas tout fini. On va aller à McDo et, attention, à Primark. Bon, c'est à prix nul, plutôt, parce que j'aime pas Primark. C'est le seul défaut de Créteil-Soleil. Ouais, ah oui, et Carrefour aussi. C'est vrai que j'aime pas être pour les magasins de Créteil. Bon, ça dépend des magasins. Primark, c'est celui que je déteste le plus. Parce qu'il y a trop de monde. Et là, on va repartir du Créteil. En fait, là, on va déposer les courses quand même. Le budget est de 150 euros. Maman, t'as dépensé combien? 100 euros à peu près. 100 euros? Ah ouais! Vous savez que c'est là-bas où j'ai démarré l'intro de ma vidéo. Je pense que oui. Comme les petits, je suis dans un chariot. On a le pire opérateur téléphonique à côté de nous. Free, c'est les meilleurs. On va voir les téléphones. On est à Orange. Moi j'ai pas Orange, j'ai Free comme opérateur téléphonique. Oh, mes iPhones, je crois qu'ils sont là-bas. On a l'iPhone 11. On a l'iPhone 11. Et c'est pareil que le mien en fait. Bah c'est normal, j'ai un iPhone 13. Enfin c'est presque. Bon, c'est juste qu'il n'y a pas de carte SIM. Vers les iPhones. Oh, attends, c'est l'iPhone SE3 ça. C'est l'iPhone que je voulais, mais c'est juste qu'en fait il était pas cher. Et vu qu'il était pas cher, je le voulais, mais j'ai eu l'iPhone 13 mini. Qui est encore mieux que le SE. Ouais, t'aurais dû prendre dans celui-là, il est plus grand que le mini. Ouais, il coûte un peu plus cher. Oui. On va voir. Bah bon, en fait, il coûtait 100 euros de plus, lui. Oh, attends, iPhone 13 Pro, par contre, lui, on va mettre une photo. Bah, les photos, elles sont pareilles. Hein. Bah, direction le McDo. Là, c'est direction McDonald's.
Par contre, c'est mon futur qui est soleil. Si je le fais tomber, tu mourras, c'est toi. Bien sûr. Ah bah il est là-bas. Ça y est. C'était quoi en saison 9 là, saison 2 là sur le site. Par contre j'ai arrêté pour ça, mais dans quelques jours je vous ferai une vidéo de monde. On va manger un peu de la semaine. Bon là il y a un gros problème. Déjà à McDo, il y a Burger King, il y a trop de monde. Donc là on est à Subway. Et aussi la carte à ma mère ne passe pas. Du coup elle doit avoir que de l'espèce. C'est un problème avec sa banque et sa carte. Ça je crois qu'en fait c'est mon Subway à moi. Enfin c'est mon sandwich. Bon comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes. On va manger ce bois, mais ouais. J'aime bien. Mais la prochaine fois, je vais vous dire après. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie. Les meilleurs sandwichs au monde. Ce beau surfeur. Burger King. On vient de finir de manger. J'ai pris du Pepsi parce qu'il n'y avait pas de Coca. En fait, à ce bois, je crois qu'il n'y a pas de Coca. C'est bizarre, non? J'ai pris du Pepsi. J'ai plus faim maintenant. Bon, par contre, on va prendre un granité. Je savais pas que Brioche Dorée faisait des granités dorées. Bon, bref, on va prendre un granité tropical et fraise. Enfin, je crois que c'est peut-être pas ça qu'on va prendre. Pêche abricot ? Ah, je crois que c'était du coca. Je rappelle, en juillet 2020, j'avais goûté ces granités, ils étaient super bons. Par contre, j'avais la tête froide comme le double star. Parce que je vais reprendre ça bientôt. Je vous ferai une vidéo explication. Ne vous inquiétez pas. Et donc, il y aura beaucoup de messages comme cette vidéo. Je viens d'acheter mon granité fraise et pêche du coup. Bon, on est à côté de Primark. Ouais, prix nul plutôt parce que j'aime pas. En plus, c'est pas assez cher. Mais bon, au moins c'est grand. J'aime bien tout ce qu'ils ont. Granité est meilleur à côté de Primark que votre port. Bon, après, c'est vrai, j'ai pris pêche abricot le tropical. Mais pour une fois, il est meilleur que l'autre. Ça, c'est bien. Par contre, le DJ, enfin, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Il s'appelle comment la personne on appelle comment ce type de personne là à côté du magasin? Le vigile. Ouais, le vigile, il nous a pas réussi à rentrer. Gratis, si vous m'entendez. Ça suit pas, on a le droit de prendre la granité si on fait rien. De toute façon, au pire, on peut nettoyer. Hein. Ça existe le nettoyage. Hein. Bon, on vient de sortir de Créteil Soleil, là on va prendre la voiture pour rentrer chez nous. On va passer à Lidl avant ou... Non, je sais pas. Je préfère rentrer à la maison directement parce que je suis KO. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce vlog vous aura plu. Bon là on est direct sur Maison Alfort, j'habite pas Maison Alfort, mais on va faire les courses à Maison Alfort. Oui, parce que bon, c'est à Lidl, ok. On n'a pas vraiment de courses à faire. Mais bon bah je vous dis bye bye et abonnez-vous et likez.